fɛ k'aw ka feerefɛnw lakodɔn ka sanni ni feere kɛ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn wa aw ma musaka caman bɔ. Mon plan B bɛ aw de kama. Mon plan B ye cakɛda ye baara ɲɛdɔn bɛ min na. Mon plan B ka kiliyanw lamɛn ni k'u bilasira wa baarakɛminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo k'aw ka haminankow bɛɛ laɲɛnamaya. An ka cakɛsiraw ye e-commerce aw ka jagofɛnw lakodɔnni sanni ni feere bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye k'i ka minɛn sannenw lasi ma f'i sigiyɔrɔ la prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale de service o t'a bannen dɛ aw be se k'aw ka feerefɛnw bila an ka siti kan fuu falaki musaka bɔtɔ la ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ siti kan min b'a to aw ka feerefɛnw tɔ be lakodɔn n'o y'an ka butigi ye musaka dɔnnin b'o la sabu n'i ka jagofɛn bila o plateforme kan bɛɛ lajɛlen b'a ye mon plan b aw ka informatique ko mago k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma système baaraw an bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye mon plan b commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation de données mon plan b k'aw ka marché kow ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ mon plan b ka sanni ni feere kɛ internet kan teliya nɔgɔya ani lafiya kɔnɔ n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ sa a ye nɛgɛjuru sira banba 6848 8080 walima 6373340 email info@monplanb.net an ka site web sa o ye www.monplanb.net mon plan b lakana jɛlenya ani teliya. Bamako, le 18 octobre 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Maliki Nafani Web TV. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a effectué ce dimanche 17 octobre 2021 une visite au Mali pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus qui devrait sortir le pays de la crise. Il a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, ont eu deux entretiens ce dimanche 17 octobre, un tête-à-tête et des échanges en présence de leurs deux délégations. De sources proches des rencontres, le colonel Assimi Goïta a fait un plaidoyer de la situation, les problèmes que rencontre son pays, notamment l'insécurité, les chantiers ouverts, les assises nationales annoncées. Assimi Goïta a parlé comme d'habitude calmement, mais avec clarté, confie l'un de ses proches. Sur un autre point, l'affaire Wagner, il a rappelé qu'on lui cherche des poux dans la tête et que son pays n'a à ce stade rien signé avec cette société privée russe qui utilise les mercenaires. Le président en exercice de l'institution sous-régionale a pris la parole pour rappeler que les militaires maliens doivent respecter leur engagement en organisant les élections présidentielles et législatives fin février 2022. Les défis de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité, quelle implication des jeunes musulmans a été le thème central de ce 4e congrès statuaire des jeunes musulmans du Mali. C'était sous la présidence du ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence de son homologue des affaires religieuses et du culte, de celui de l'emploi, des familles fondatrices de Bamako, du représentant du président du Haut Conseil islamique, de ceux des églises chrétiennes et protestantes du Mali le 16 octobre 2021 à la Maison des Aînés. Trouver une solution ou des solutions à la crise qui secoue actuellement la zone agricole du pays du Mali, 300 participants venus de toutes les régions du Mali ont signé leur présence à ce rendez-vous. Le président de l'organisation El Hadj Makiba, les chefs religieux du Mali, ont tour à tour intervenu lors de ce 4e forum en appelant les jeunes musulmans du Mali à l'unité, à la mobilisation générale pour faire face à une crise qui est en train de casser l'unité du pays, le Mali.
nous habituer à produire des rapports de contrôle sans suite pour protéger des femmes et des hommes qui ont fait de la chose publique leur propriété privée. Mais avec les propos du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la remise la semaine dernière au palais de Koulouba des rapports de deux structures de contrôle du Mali, on peut dire que l'espoir renaît dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans notre pays. À condition que le peuple rentre dans ses droits, sans vengeance, sans haine, de règlement de compte, avec les actions déjà en cours pour mettre fin à l'impunité dont les responsables des régimes précédents, à savoir ATT et Ibeka, ont bénéficié pour s'adonner à toutes sortes de détournements de fonds, de derniers publics et de malversations. On peut dire que les rapports du vérificateur général de l'Officine centrale de lutte contre l'enrichissement illicite, l'OCLI, ne dormiront pas dans les tiroirs comme par le passé. Nous espérons qu'ils seront transmis à qui de droit pour que la lumière soit faite sur des cas d'enrichissement illicite qui dépendent tout simplement, tout entendement et au nom d'une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Le recouvrement de l'argent volé au peuple malien s'y fera dans la plus transparence. L'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA-PAJ, a organisé ce week-end son sixième congrès ordinaire, qualifié comme étant celui de la maturité du parti. Les délégués n'ont cependant pas pu s'entendre sur plusieurs sujets. Les travaux ont été finalement suspendus pour sa reprise cet après-midi de lundi 18 octobre 2021 en vue de présenter le nouveau bureau. En effet, le consensus préalablement voulu pour éviter toute élection au risque de disloquer le parti, a occasionné des discussions houleuses de part et d'autre. Dans tous les cas, la mise en place du bureau n'a pas du tout été facile, on peut dire. Le CSP, formé des groupes armés, nombreux membres de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et de la plateforme semble ne plus trouver le sommeil, et cela depuis quelques jours. Le mouvement ne se sent pas du tout considéré et multiplie des actions de sensibilisation sur son existence, ses objectifs, toute chose qui s'est intensifiée depuis l'annonce sur une probable arrivée de Wagner à Bamako, la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger, qui est le langage commun entre le gouvernement, les groupes armés, signé et la médiation connaît des difficultés. Aussi, pour aider à sa mise en œuvre, la SEMA et la plateforme ont formé une coalition dont les documents ont été signés dans la capitale italienne, et cela il y a quelques mois. Les deux policiers qui ont été enlevés le 14 octobre 2021 dernier par des hommes armés non encore identifiés, alors qu'ils étaient en partenance pour la relevée de la Bezanga Fama Fafa à Asongo, ont été retrouvés morts. Mohamed Alassane et Moussa Dembélé sont les deux policiers assassinés par des hommes armés non encore identifiés. Ils avaient été enlevés le 14 octobre dernier vers 12h lorsqu'ils partaient pour la relève de la Bezanga Fafa, localité située à Asongo. Selon les informations, les assaillants venus à moto ont tiré sur leur véhicule personnel avant de les enlever. Leur mort a été confirmée ce dimanche 17 octobre 2021 par des sources locales. Les corps sans vie des deux policiers de commissariat de police d'Asongo, enlevés par des présumés djihadistes dans la localité, dans la commune de Ouattagouna, ont été retrouvés, leurs corps sans vie, dans les environs de Bentia. C'est ce qui me vient donc à votre page d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Bonne suite de programme sur Malikoula Fenouil TV. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.